Et puis cela fait presque un siècle qu'elle n'a pas voyagé. La tapisserie de Bayeux, ce joyau du patrimoine français, devrait bientôt traverser la Manche. C'est un cadeau. C'est plus qu'un siècle, c'est un millénaire, c'est 950 ans. 950 ans, en effet, qu'elle n'a pas voyagé, cette tapisserie. C'est un cadeau que veut faire Emmanuel Macron à Theresa May au de Vernuccio. Oui, en réalité, il s'agit d'un prêt, selon le quotidien britannique Le Guardian, un prêt très symbolique, d'abord parce que c'est la première fois que cette œuvre de 70 mètres de long va quitter le... Territoire français. Son dernier déplacement, c'était en 1945 pendant la guerre et pour faire Bayeux-Paris au musée du Louvre. Des experts sont d'ailleurs en train de tester sa robustesse en vue du voyage. Symbolique aussi pour son histoire, cette tapisserie raconte l'épopée de Guillaume le Conquérant en Angleterre en 1066 après la bataille d'Hastings. L'œuvre serait née selon les historiens français à la cathédrale de Bayeux, mais il y a évidemment débat avec les historiens anglais qui revendiquent sa création dans le comté de Kent. En tout cas, ce prêt, c'est Emmanuel Macron qu'il aurait décidé pour souligner la force des relations diplomatiques entre la France et la Grande-Bretagne après le Brexit. Le président devrait l'annoncer demain à l'occasion du sommet franco-britannique.